Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le 12e épisode de la semaine en douce pays, c'est parti! L'anniversaire de la semaine, cette semaine, c'est le 25 mars 1957, où les représentants de 6 pays se réunissent à Rome pour jeter les bases de ce qui deviendra l'Union Européenne. L'actualité de la semaine, donc cette semaine, c'est l'incident diplomatique qui oppose les États-Unis et la Russie. Donc suite aux déclarations de Joe Biden concernant Vladimir Poutine et le qualifiant de tueur, Moscou a décidé de rappeler son ambassadeur de Washington DC. Au niveau des sorties musicales, ce vendredi, on a la sortie de la troisième partie de Ma vie en 4K de 26 Us. On a Alonso qui sort Capo dei Capei, volume 2 et 3. Et on a Deddy qui sort Tout va. On a également MV7 qui sort Premier Reflet, Tsubekit qui sort Aina et Caris qui sort Château Noir. En sport, cette semaine, on a du foot avec Kylian Mbappé qui a marqué son 100e but contre l'OL. On a également la France en rugby qui a triomphé du Pays de Galles dans le tournoi de destination, notamment grâce à 2 essais marqués dans les 5 dernières minutes. Podium bleu-blanc-rouge en ski cette semaine avec la 2e place de Clément Noël et la 3e place d'Alexis Pinturo durant le slalom de la Coupe du Monde de ski. En escrime également, Cécilia Berdet s'est classée 2e de la Coupe du Monde de sabre dimanche dernier. Pour finir, on a la sortie de documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, qui traite de la condition féminine dans le journalisme sportif. Canal+ a censuré une partie du documentaire qui concernait Pierre Ménès, qui est accusé de multiples agressions sexuelles. Pierre, faudrait penser à rendre un peu. Notre personnalité de la semaine, cette semaine, c'est Albéry, qui le 24 mars 2002 est la première femme noire à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour le film À l'ombre de la haine. Et enfin, notre page Insta de la semaine, cette semaine, c'est Workshop Concert. Et c'est une page Insta super chouette qui propose des lives et des interviews d'artistes. C'était le 12e épisode de la semaine en deux spies. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!